j'ai monté le festival des Floréales Théâtrales il y a maintenant 2 ans, quand j'étais à l'USA, je suis une ancienne étudiante. Et en fait, c'était mon projet de titre. Donc on a travaillé là-dessus, tout est allé très 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 vite. Ce partenariat nous apporte déjà une équipe de bénévoles incroyable. On a une équipe qui est hyper réactive, qui est super autonome. Ils sont ponctuels, ils se débrouillent pas en autonomie, bien évidemment ils ont besoin de nous, mais voilà, ils prennent des initiatives, ils sont dedans. On a même le public qui est venu nous en parler de la qualité de nos bénévoles et les artistes aussi. C'est agréable de se dire qu'on a presque entre guillemets des pros avec nous en fait. Mon projet ultime, c'est avoir mon propre café où je pourrais organiser concerts et pièces de théâtre. L'IUSA m'aide à avancer dans le projet professionnel en proposant beaucoup de stages. C'est vrai que du coup, on a 2 stages minimum, on va dire, par an, avec celui qui est en alternance et celui qui est en temps plein. Et ensuite, ils ont beaucoup de partenaires. C'est très intéressant quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience dans le milieu. La formation, elle est très adaptée dans les cours théoriques qu'on reçoit, évidemment, mais ça nous permet d'être disponibles sur le terrain très très vite. Et en fait, ça, je pense que c'est un vrai plus dans les professionnels de la culture. Pour avoir été de l'autre côté, justement, du côté un peu recruteur, je me rends compte que ça fait la différence.